très joli titre, très poétique, me suis-je dit quand je l'ai regardé. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la poésie, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est un terme d'économie. Oui, en fait, c'est simplement pour illustrer le fait que les prix, les cours boursiers ne peuvent pas monter indéfiniment. Voilà, donc c'était intéressant parce que finalement, Yael est économiste et qu'elle mélange aussi parfois dans son journal des réflexions sur l'économie et sur sa propre vie et sur celle de ses proches. Et voilà, et qu'elle a un peu, elle a cet œil un petit peu sciences sociales, on va dire, parfois sur sa propre vie. Alors, on rencontre Yael à un moment crucial de sa vie, donc c'est son journal. Son mari vient de la quitter pour une autre femme. Évidemment, son monde s'écroule. Elle a un petit garçon qui s'appelle Simon, qu'elle adore. Et puis, elle a la sensation qu'à 40 ans, sa vie s'arrête. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Sa vie va s'effondrer pour se reconstruire. Simplement, elle va devoir se reconstruire différemment. Alors, d'abord, pourquoi le sujet de cette espèce de crise de quarantaine, pourquoi avoir voulu aborder ça en particulier? Et c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans le livre. Elle va demander, elle va poser des questions à plein de gens autour d'elle pour voir comment eux le vivent. D'abord, le point de départ, c'est que j'avais envie d'écrire sur une femme en situation d'effondrement et de voir comment elle allait par presque cercle concentrique se reconstruire. Au-delà du journal intime, il y a aussi l'idée des saisons. J'entendais tout à l'heure Véronique Olmy qui parlait de la musique et de la façon compulsive d'écouter de la musique quand on écrit un roman. Ça m'arrive aussi. Et la couleur aussi de chaque texte. Et alors là, j'ai essayé de trouver une couleur en plus différente pour chaque saison. C'est-à-dire qu'en plus, au-delà de l'année entière, il y a l'idée que chaque saison avait sa couleur propre et que, oui, elle allait avancer comme ça, en partant de l'effondrement vers les eaux. Donc, il y a en particulier toutes les amitiés féminines dans l'hiver, donc tout ce rapport aux femmes qu'elle retrouve, en fait, alors qu'elle vivait un peu dans son nid. Elle était dans une logique de nidification et elle en sort assez brutalement. Et comment donc elle va remettre un peu toutes ces pièces, voilà. C'est juste une femme qui, on est dans une situation de crise, c'est une femme en crise, et qui va, par la littérature, par les amitiés féminines, par des rapports charnels, par sa relation avec son fils, avec cette petite fille, qui va se reconstruire comme ça par cercle en fait, et voilà. Alors qu'au début, elle a vraiment le sentiment d'un effondrement sur place, qui est une image que j'avais vraiment d'une femme qui reste seule, enfermée dans son appartement. Et voilà, comment elle va... Donc je ne sais pas si c'est de la résilience, mais oui, ça ressemble en tout cas. Une renaissance peut-être. Voilà, oui.